Regardez un peu qui est là. Alors, c'est Tac. Oui, on pourrait croire que c'est Tic, mais non, c'est Tac. Tic-tac. Non, c'est Tic et Tac. Vraiment, Tic et Tac. Les écureuils de Disney. Oui. C'est pas Tic-Tac, hein, c'est pas la montre. Ah, il a décidé de se balader. Tiens, c'est étonnant. Puis en plus, il parle. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'ils ont mes cheveux? Hein? C'est chouette ça? Tac. Et bébé. Et bébé. Là. J'y sens bon. Oh oui, je sens bon. T'as vu, maman a mis du parfum pour te rassurer. Hein? Bah oui. Ah bon? Oh bah tout ça. Oh bah dis donc. Bah oui, c'est maman. J'espère que vous l'avez entendu. Et à discuter. Il faut que je tienne bien parce que je l'assure en fait. Hein, c'est comme un harnais. Comme nous, on a un harnais. Ah bon, là, tu fais quoi là? Eh? Tu fais quoi là? Discute, hein? Non, 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 non. Tu vas pas derrière. Eh. Il arrête pas de discuter. Qu'est-ce que t'as? T'as peur? Allez, reviens là. Voilà. Bon maman, t'as vu hein? Quoi, tu vas aller en dessous? Bon. Il est bien. Il veut aller plus bas, mais j'en empêche. Oh, qu'est-ce qu'ils ont mes cheveux? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce que tu fais à mes cheveux? Il essaye de se mettre dedans. Ah, dis donc, ils sont chouettes mes cheveux, hein? Il les a mis de l'autre côté. Et mon petit père? Attends, attends. Attends, attends. Tu tires mes cheveux. Hop là. Non, attends. Oui. Tu veux aller là, dans le creux? Il y a un trou, hein? Il a de moins en moins peur. Ça, c'est bien, parce qu'il avait peur. Il commence à se débrouiller comme il faut. Faire comme Tic. Non, tu vas pas là-bas. Il veut essayer de rejoindre le dossier du fauteuil. Tu me tires les cheveux là. Hop. Tu me tires les cheveux là, bébé.
Mon bébé, toi, hein? Tu fais quoi? Hein? Tu fais quoi? Pas ce qu'il me fait, mais ce qui l'intéresse, peut-être les pierres. Hein? Hop là, viens là. Hop là. Bisous. Bisous. Hein? Voilà, le fait que je me parfume, bah, ça la rassure en fait. Parce que quand je les ai achetés, j'étais parfumée. J'ai toujours été parfumée, donc comme hier et avant-hier, je ne me suis pas parfumée, ben en fait, ils n'étaient pas rassurés, quoi. Et tu manges pas mon pyjama? Oh, coquin! Coquin, tu me manges mon pyjama? Petit crapaud, petit crapaud, t'es un petit crapaud, oui, t'es un petit crapaud, mais qu'est-ce que dit maman, hein? Qu'est-ce que dit maman? Qu'est-ce que dit maman? Maman dit t'es un petit crapaud? Oh là là! Là, je sais pas ce qu'il... Oh, ils sont bons, maman. Oh là, on est bien là. Sur le sein, carrément. Tu manges pas mon pyjama? Hé, hey, crapule. Viens là. Viens là. Viens là. Allez. Viens là. Viens là. Allez, hop. Allez, viens là. Non, non, non. Attends. Attends. Viens là. Je mets mes cheveux de côté. Viens là. Oh, il est sur mes cheveux, là. Regardez. Hé, petit coquin. Viens là. Allez, allez. Non, tu veux être... Oh. Tu redescends de ce côté. Attends. Hop. Ah bah oui, mais attends. Crapaud. Petit crapaud. Voilà pourquoi je l'appelle petit crapaud. Voilà. Oui, non, ça y est. C'est bon. Il est speed. Il en a marre. Il a été patient, hein. Oui, c'est bon, je vais te remettre. On va prendre ton frère. Ah, on va prendre ton frère. Oui, tu attends. Tiens. Allez, viens, tic. Tu viens, tic. T'es pas propre. Hop. Non. Hop là. Voilà. On a pris tic. Bisous maman. Il est beaucoup plus calme, lui. Comme c'est. Voilà, il m'a. Tac, il m'a. Voilà. Bouffé des cheveux. Non, non, n'aie pas peur, il tremble. N'aie pas peur. C'est maman. T'inquiète pas, je te tiens. Là, je te tiens. Mais tremble pas.
Et attaque qui fait le fou dans la cage en même temps. Viens là. Allez, viens. Tic. Oui, discute. Discute. Alors, allez, les petites puces, les petites puces, tu fais quoi? Oh, voilà, pareil, les bijoux, les cheveux. Allez. Non, pas aujourd'hui. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Qu'est-ce que tu dis? Ne t'en trompe pas. Non. Tremble pas, je te tiens. Tremble pas. Mais non. Non, bébé, il trompe comme tout. Et pourtant, je le tiens. Oui, bon, tu te rassures. Quand ils font ça, c'est qu'ils se rassurent. Hein. Je te tiens. Hein. Ben oui, alors. Ben alors, qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Tac, ça allait parfaitement, mais toi tu trembles. Hé, bébé. Bah oui, c'est moi. Alors. Tremble pas. Attends, je te mets comme il faut. Tremble pas. Ça sert à rien de trembler, là. C'est maman. Ben oui, c'est maman. Alors. Je te tiens. Alors peut-être qu'ils ne sont pas habitués à sentir ma transpiration non plus. Alors, tu fais le tour? Non? Tu fais pas le tour? Oh, c'est dommage, tu fais pas le tour. Allez, fais le tour. Fais le tour. Fais le tour. Allez, hop. Allez, ça tient. Ah. Non, pas sur ma tête. Oh, le clown. J'ai un rat sur ma tête. Non, mais... Chameau. Ah ouais, je sens la transpiration, mais dingue. Voilà, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Hein? Oui, c'est moi. Oui. Bah oui, bah ouais, on va rentrer dans la cage. Allez. Hop, c'est reparti. Alors surtout, je mets du poids sur la grille.
ciseaux, les loquets. C'est malin, des rats. Bon, ben, je vois qu'il y a plein de trucs qui se sont mis. Un petit quart d'heure pour discuter des rats. Alors maintenant, c'est la toilette. Non, mais j'ai pas. J'ai transpiré sans le savoir. Et je sens. Non, je sens la transpiration. Mais moi, je le sens, ça me dérange. Donc, eux, ils sont pas habitués à ce que je sente la transpiration. Donc, c'est pour ça qu'il était. Il avait peur, quoi. Ça a rassuré Tac, par contre. Mais Tic n'était pas rassuré. Hein. Donc, il faut qu'il s'habitue à toutes mes odeurs, quand même. Ah, oui, hein. Si je transpire, bah, j'ai transpiré, puis voilà. Je me sens plus. Là, je me sens. Je me sens d'un côté, mais pas de l'autre. Je sais pas ce que le chat a. Il y a Kira qui miaule. Bon, j'ai marqué une pause. Je me mets en pause. Mettez en pause aussi, je vais me faire un café. Voilà. Je vais vous montrer quelque chose. Tellement je suis douée en couture. Voilà. Un petit pull pour chien. La preuve, il y a des poils de chien. C'est la taille d'igloo et avec le petit truc pour passer la queue. Voilà, c'est la taille L. Hein. Donc voilà. Voilà. Avec les bobettes avant qui se mettent correctement. Hein. Là, c'est parce que c'est sur le cintre. Voilà. Pas déformer le tricot. Bon, de quoi, voilà, il est serré. Pense que je vais voir. Je suis en effet plein. Un imitation Nike, un bleu, un rouge, un spécial Noël, un. Il y en a plein, j'en ai fait plein. Avec des côtes, avec des torsades. Un beau avec des torsades. Voilà, j'en ai une quantité. Dingue, j'en ai fait plein. Vu que mes fils voulaient pas que je leur fasse de pulls, ben j'ai fait des pulls pour le chien. Ensuite, pour Noël, il a des cerfs ou des élans, comme pour Noël. Je me suis aidée d'une notice. J'ai pris des schémas un peu partout. Moi, je surveille les rats, là, ils sont en plein toilettage. Je me demandais pourquoi ils couinaient. Et donc, y a des étoiles dessus. J'en ai fait un avec
des pattes de chat ou de chien, et puis des os en croix, comme pour la tête de mort, enfin voilà quoi, une papatte. J'en ai fait tellement que je me rappelle pas de tout quoi. Avec et sans pâte. Donc sans pâte, c'est facile, on fait le dos, on fait le ventre et en fait le col il est déjà formé avec le dos et le ventre. Il n'y a plus qu'à coudre. Mais il faut laisser de l'espace pour sortir les pattes avant. Et ça, ben voilà, ça fait des. En fait, ça fait un dessin comme ça. Hop, 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 hop. Voilà, le ventre, c'est ça. Et le dos, ben, c'est simple, hein. C'est tout du long, et puis voilà. Mes poches ou ce café. Et moi, boire. À peine tiède. Je l'ai mis où? Ah, j'ai mis là. Donc voilà ce que j'ai fait. Ah, puis j'étais passionnée, hein. J'avais fait une penderie, je crois que je vais ranger dans la penderie. Parce que ma mère les a mis en carton. Donc c'est pas pratique pour moi. Voilà. Je crois que je vais ranger le salon. Qu'est-ce que j'ai dit qu'il fallait que je fasse aussi? Alors j'en ai tellement à faire que je sais plus par où commencer. Je suis pas fatiguée, ça me gratte. Il n'y a rien. C'est démangeaison. Je pense que qui m'a dit qu'il était plus attiré par moi, ben, c'est bien le seul. C'est bien le seul à ne plus être attiré par moi. Je comprends pas là. C'est
C'est dingue. Je sais pas, mais voilà quoi. Je suis pas moche. Franchement, ben, je voudrais me maquiller, je vais me lâcher les cheveux, puis je lui enverrai la photo avec Ah, t'es sûr? T'es plus attiré? On verra bien. Alors, je sais qu'il y a un abonné qui s'appelle Nom Prénom. Ou prénom, nom, je sais plus exactement dans quel sens c'était. Donc quelqu'un qui ne peut pas se mouiller. Ah ben, et qui m'a dit, reste toi-même. Il m'a tutoyé. C'est peut-être quelqu'un que je connais. Donc, faudra dire à cette personne, bah, qu'il fasse un effort d'observation parce que là, franchement, même au naturel, bah, j'ai pas tant vieilli que ça. C'est sûr, j'ai très fatigué, bah oui, hein, c'est pas sans douleur, hein, les maladies que j'ai. Et puis à côté, je suis pas débile non plus, hein. Parce qu'il faut en avoir dans le ciboulot pour avoir eu le titre de monteuse câbleuse en électronique. Quand même, habilitable en électricité, en plus. Avec ça, je ne suis pas débile. Bien au contraire. Voilà. Je comprends pas parce que il a vu tout ce que j'ai fait, je lui ai montré. Là, franchement, si je l'attire pas, je me pose des questions. Désolée, je vais hausser le ton. Je sais que vous entendez pas à cause des oreillettes. Je suis sidérée. Si. Sidérée. Franchement. C'est bien la première fois qu'on me dit que qu'on n'est pas attiré par moi. J'ai quoi de moins que les autres? Même au naturel, je les attire. Donc, qui me disent qu'il n'est pas attiré par moi. Quel est son niveau
de femme idéale. Une femme idéale, faut s'accrocher, hein. Bah, je sais pas moi. Je veux dire, je suis pas si grosse que ça. Bon, peut-être que. Pardon, ce café. Oui, c'est sûr, je fais plus de 70 kilos. Et alors, je mets une taille L. Ça va, ça passe, hein. Je suis pas maigre comme ça d'un seul coup, hein. C'était les médicaments qui m'ont fait grossir. Donc là, j'ai changé de médicament. Ça va peut-être arrêter de me faire grossir. Puis ça m'énerve parce que si je lui plaisais avant, ben je dois lui plaire maintenant aussi, hein. Je fais des efforts. Dans quel but? But de lui plaire ou but. Quoi, mes maladies lui font peur. Il a peur d'avoir quelqu'un d'handicapé avec lui. Alors que j'ai pas besoin d'ambulateur là, hein, à la maison. Je me déplace normalement. Sauf que j'ai plus d'équilibre. Et c'est pour ça que j'ai des déambulateurs. J'en ai deux. Un pliable, un non pliable. Et puis, je marche pas lentement, hein. Bon, je vais vous laisser là sur cette réflexion. Oui, comme ça, oui, c'est sûr qu'on les voit les cernes, mais de face comme ça on les voit moins. Bon, je vous dis à plus et voilà.